Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion, on est là. On espère que ça se passe bien, que ça se déconfine, en tout cas, du moins autour de vous, parce que dans la tête, je pense que ça va prendre quelques années de se déconfiner de tout ça. Ça ne va pas être simple. Mais bon, on va essayer quand même de voir si cette souffrance qu'on a emmagasinée, qu'on a stockée depuis des mois, comment on peut essayer de l'évacuer. On en parle dans en causement Réunionnais. Bonsoir Guy Roger. Bonsoir G. Smith. Juste un point. Votre stock de souffrance, à quel niveau Mon stock de souffrance Ouais. J'en ai pas. Ah. <laughs> Ça doit être un parce seul, seul alors. Parce que tu sais pourquoi. Ouais. Peu importe ce qui arrive, je ne prends pas d'importance sur ce qui arrive. Il hum. y a plein de choses qui arrivent dans la vie. Mais si tu t'identifies à ce qui arrive, tu vas souffrir. Parce que tu aimerais que les choses soient à ton goût. Mais quand tu n'attends rien, tu ne veux rien, ça va, tu ne souffres pas. Mais même si on n'a pas voulu de, de cette situation-là, même si on n'a pas voulu de ce qui se passe, euh, malgré tout, on en souffre. Pour certains, il y a une Bien souffrance. Bien sûr, c'est parce que, parce que tu vois, comme la norme établie de notre société, elle te dit euh, comment tu dois vivre, comment tu dois te comporter, qu'est-ce que tu dois faire pour pouvoir être heureux. Donc, tout ce que tu veux pour être heureux, tu deviens dépendant. et ces choses, dans que tu dépends, elles ne sont pas éternelles. oui, mais ça je suis d'accord. mais le, la question c'est comment l'être humain vit ces moments. comment il, je dirais il, il l'inscrit en lui. Mmh. et comment après il en, en profite ou il en souffre? oui, parce que quand c'est inscrit en toi, tu sais le plaisir que tu as eu hier, ça s'inscrit en toi. Ouais. Hein? Parce que tu as vécu un bon moment et tu dis ça, c'était bon. Ouais. Donc tu vois, ce moment où tu acquiesces ça, ça s'enregistre dans toi. Okay? Ouais. Ce moment continue, la, la vie continue avec le temps. Et dans le temps où tu vis, il y a la monotonie, il y a les habitudes et les train trains Donc, ouais. ce, cette mémoire, elle se réitère. Et elle te dit, mais tu vois, la joie que tu avais hier, c'était bon ça. Comment je fais faire pour la voir Donc tu t'accroches à la joie d'hier, tu t'accroches à tes idées d'hier, tu t'accroches à tes plaisirs que tu as eus, mais tu ne vis pas l'instant qui vient, parce que tu t'es accroché à ce que tu aimerais. Bon, C'est malheureusement ou heureusement humain de s'accrocher à des choses qui créent le plaisir, qui créent la joie qui crée des, des émotions positives. C'est mmh. humain, je ne dis pas que c'est bien, mmh. je dis que c'est humain. Ah, Et non, après, oui. de voir que l'individu, quel qu'il soit ou quelle quel, qu qu'elle soit, mmh. euh, passe son temps à, à essayer de revivre ces moments-là. Et comme ces moments-là n'existent plus, ben, on, est, on, a, on, on est voué fait... à un désir de ce qui s'est passé. Tu sais, donc on poursuit son désir, toujours son désir, et ce désir n'est pas concret, n'est pas quelque chose de fiable, parce que ça vient du passé, ce n'est pas quelque chose qui existe. Ce que tu vas trouver dans ce que tu vas vouloir, eh ben, c'est le désir que tu as de trouver ça. Et ce que tu vas trouver, c'est quelque chose qui est passé. Oui, mais il y a un moment, euh, l'absence, la, la carence, euh, déclenche la souffrance. C'est ça. D'accord. Mm. Et avec ce contexte sanitaire, par exemple, on a qu'on a, qu a, la souffrance vient d'un manque de cette, cette carence, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu vraiment une, enfin, pour ceux, pour les malades bien sûr, il mm. y, y a la souffrance, mais pour ceux qui sont, qui sont obligés de rester confinés, qui ne peuvent plus à vivre les, des moments de qui croient de liberté, des moments de plaisir, de mmh. ça. quand il n'y a pas ça, il y a la souffrance. Parce que y a, quand il y a ça, ce que tu vis, ce que tu vis n'est pas accepté, il y a la souffrance. C'est vrai. Parce que tu n'acceptes pas les faits de ce qui se vit là oui. maintenant. Oui. Donc tu cherches quelque chose d'autre. Oui. Okay. Donc ta tête, elle est occupée mmh. avec ce que tu as vécu. Et ce que tu aimerais vivre, ta tête n'est plus oui. là, n'est oui. plus présente. Oui. Donc, elle souffre de quelque chose qui manque. Mm -hmm. Il te manque ça, donc elle souffre et toujours est dans l'activité de trouver ça pour pouvoir s'assouvir. Mais jamais l'assouvissement ne vient. Tu sais que l'homme est un éternel insatisfait, donc oui. cette insatisfaction nous rend, nous, nous fait souffrir. Parce qu'on veut quand même la chose qui n'existe pas. Parce qu'on est dans la spéculation, dans le désir, dans l'envie. Oui, mais on veut quelque chose qu'on a connu. On veut quelque chose qu'on sait qui existe, oui. qu'on peut avoir. Oui. Et que la vie a mis entre cette chose et l'individu une barrière. Oui. Et on veut supprimer cette barrière. Oui, mais ce que tu sais que tu aimerais, oui. ça vient d'où ça vient de ton passé, de ce que oui, tu as vécu. Tout est fait. Okay Donc tu ramènes ce que tu sais dans le présent et tu dis c'est ça que je veux. Mais tu peux pas avoir ça. C'est impossible. Ce n'est pas qu'on ne peut pas l'avoir. C'est parfois la barrière qui est là. On se dit que normalement, on peut l'enlever, on peut supprimer cette barrière, on peut la casser. Il n'y a que cette barrière qui, qui, qui nous sépare de ce moment qu'on a envie de vivre ou revivre. Ouais, cette barrière c'est en fait c'est ce que tu, tu veux mais qu'il n'y a pas c'est ouais. une barrière ça mmh. ok parce que la joie le plaisir que tu as eu hier ne peut pas exister maintenant puisque maintenant tout se crée quand il n'y a pas de souffrance c'est parce que tu as créé un moment d'émerveillement là maintenant donc tu ne cherches plus à partir de la poubelle d'hier Mmh. Okay. tout est là dans le neuf Si tu cherches pas là si tu ne vas pas piocher dans le neuf alors tout ce que tu vas piocher ça, ça ne va pas être une réalité ça va être quelque chose que tu penses tu penses qui est dans ta tête que tu désires que tu aimerais et en fait quand tu l'as ben, tu es insatisfait parce que ce n'est pas la chose qui existe vraiment c'est la chose que tu as sorti de ta tête, donc, la souffrance, elle vient de celui qui pense à un monde merveilleux, qui rêve d'une vie, et là, il y a la souffrance. Mais quand celui qui ne désire pas quelque chose à venir, la gaieté des jours à venir, quand celui, ne, ne, celui qui ne s'inquiète pas de ça, il accepte ce qu'il a. Mais ben, tu vois, dans notre société, toute la souffrance, elle peut disparaître comme ça. Oui. Mais on sait très bien que la, dans tout être humain, il y a cette capacité de, de voir les choses de manière différente. Et je vais montrer le, le, ce dernier ouvrage de, de Guy Roger. Ça s'intitule La voie de l'éveil. Il faut passer par cette voie pour... Oui. Euh, il faut s'éveiller à sa vie pour mmh. euh, pouvoir... Euh, Avancer. Ouais. C'est veiller déjà à tous les mensonges qu'on se raconte sur les jours heureux qu'on aimerait avoir, sur tout ce qu'on aimerait faire exister. Ça, ce sont des mensonges qu'on se raconte à soi-même pour ne pas souffrir, pour ne pas souffrir de la monotonie qu'on a. Donc, on s'invente des mensonges et on dit, mais la vie, elle devrait être comme ça, elle sera bien si on fait ça, on fait ça, on fait ça, on aura ça. Mais en fait, c'est commercial ça. La vie, c'est pas, ça marche pas comme ça, la vie. La vie c'est pas quelque chose que tu décides et je vais payer pour avoir ce que j'aimerais avoir. Non, la vie c'est quelque chose de gratuit. Elle est là, elle est présente, mais elle est présente dans l'instant où tu l'abordes, dans l'instant où tu respires. Et c'est là que l'être humain, il est libre de toutes ces tracasseries. Guy Roger, quand on, dans, quand on regarde le, le livre hein, La Voix de l'éveil, au-delà du bien et du mal, mmh. alors déjà là-dessus, c'est ah, un paradoxe que, que Guy Roger l'ait écrit d'ailleurs, le bien et le mal, ouais. parce que ce concept n'est qu'un concept, ouais. ce que sont, sont que deux mots. Ça. Certains y croient, d'autres pas. Mmh. Re, Guy Roger y croit au bien et au mal <laughs> Pour moi, ça n'existe pas dans le sens où, euh, tu vois, ce sont des concepts ouais. qu'on a adoptés. Euh, pour euh, quelque chose qui va nous faire du bien ben on va dire c'est bien et quelque chose qui nous on fait nous, pas nous, du bien nous, nous, fait, euh, nous caresse dans le sens inverse du poil on dit ça c'est mal je n'en veux pas donc tu mets des choses sous le tapis en disant ça je ne veux pas les voir je ne veux jamais les voir mais je veux seulement être ce, que, ce qui est beau ce qui est merveilleux ce qui est tout ça mais il y a quand on, quand on lit le Derrière le livre, il mijote en soi une pertinente perplexité qui indique que derrière la vie que l'on mène se cache une existence bien plus réelle, libre des obligations que l'on s'inflige dans les routines quotidiennes. Mm. La contradiction, c'est un des points forts de, de Guy Roger. Montrer la contradiction humaine. Mm. Vouloir quelque chose, c'est aussi vouloir son contraire. Exactement. Parce que le contraire, il existe. Le contraire est une réalité. Ce n'est pas quelque chose que tu dois mettre sous le tapis. C est, c est, tu sais, on peut, on peut se dire à tous, euh, notre société nous a appris comment vivre, comment se comporter. On t'a dit, il ne faut pas être égoïste. Pourtant, on est égoïste. Oui, on nous apprend à ne pas être égoïste. Oui, mais, mais pourtant, on est égoïste. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on fait semblant de ne pas être égoïste. Pour la plupart d'entre nous, c'est ce qui se passe. Parce qu'on rejette le fait qu'il y a quelque chose en soi qui est mal, selon la société, et qui nous dit que ça, c'est pas bien. Donc, tu dois te comporter autrement. Donc, ce que nous faisons, nous, les humains, on se comporte pour que le regard des gens puisse nous accepter. On soit Donc, bienveillant. Voilà. On montre ce que les gens veulent voir. On ne montre pas ce qu'on est. Qu est vraiment. Tu vois, parce que c'est malvenu, c'est pas à la norme, c'est pas ce que les gens veulent. Ben, sinon, dans ce cas-là, il faut revoir l'éducation. On dit bonjour, bonjour madame, bonjour monsieur, s'il vous plaît, merci. C'est le béaba de toute éducation. On, a, on doit d'abord respecter les, nos aînés, on doit respecter nos parents, on doit respecter les personnes âgées. Ben. On ne nous, nous apprend pas à dire, ben, si on a envie de quelque chose, il faut aller chercher. Non. non, enfin, non on on t'apprend à être à la norme. On voilà. On nous, vraiment, on nous formate voilà. à devenir un individu dans, dans une communauté. C'est ça. Et tout cet, cet individu-là, c'est la, la mémoire de tout ce qui a été décrit descritères euh, décrété, à un moment décrété donné. oui c'est la conclusion de toute notre société qui a dit ben il faut dire bonjour madame bonjour monsieur et être respectueux parce que l'autre là bas il sera offusqué tu comprends parce que en fait nous avons fait ça c'est la morale sociétale que nous avons tout un chacun dans nos esprits parce qu'on a été tous été formatés comme ça donc ce formatage n'est pas nous moi je ne suis pas gentil des fois et comment je montre que je ne suis pas gentil quand quelqu'un dit qu'il faut être gentil Donc je suis quelqu'un qui est vrai et je suis ce que je suis. Mais maintenant moi-même je n'accepte pas ça. Je, n je ne m'accepte pas d'être. Je ne me donne pas le droit d'être ce que je suis vraiment. Par contre, par contre, tu vois ce que tu es est incongru. C'est une compulsion. Quand tu n'es pas gentil, quand tu fais quelque chose qui fait du mal à quelqu'un, qui fait souffrir à quelqu'un. Cet état d'être, si tu ne le vois pas et que tout le temps tu es en train de jouer le rôle de celui qui est gentil, tu ne le vois pas, ce, cet état-là. Hein? Donc, tu te caches à toi-même cet état. Alors, ces états, quand tu vas faire quelque chose qui va faire souffrir quelqu'un, tu vas le renier. Tu vas dire Ah, moi je, moi, je suis potent, je suis bien, moi, je suis gentil. Tu vois Mais inconsciemment, tu vas faire des choses. Que tu ne veux pas admettre. Oui. Parce que ce que nous faisons, c'est compulsif, c'est instinctif. Oui, mais nous devons, dans l'éducation, on nous apprend à avoir un comportement qui va avec la société. C'est ça. On doit se comporter, on doit bien se comporter en société. Et mmh. pour bien se comporter en société, il faut être bien habillé, il faut être bien coiffé. Euh, bien rasé sur on a un, 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 un monsieur il faut avoir des, des beaux habits un bon comportement bonjour toujours saluer baisser la mmh. tête mmh. ou soulever son chapeau ce sont des éléments que aujourd'hui on ne pourra pas changer et on doit faire avec alors si on doit faire avec ça ça veut dire qu'on est francièrement on est faux on, est, on se ment à soi-même. Ça veut dire que toute la société dans laquelle on est est un paquet d'apparences et on ne vit pas réellement les uns avec les autres. On n'a pas une communication sincère, terriblement sincère, un contact terriblement sincère. On a tout est faux. Donc, c'est notre société. On ne peut pas faire autrement, c'est comme ça. Et j'accepte que ce soit comme ça. Cependant, en acceptant que ce soit comme ça, peut-être que tu peux faire quelque chose. Mais si tu n'acceptes pas et tu dis tout de suite dans ta tête, tu as l'idée de comment les choses devraient être, alors cette idée va faire perdurer ce que tu caches. Parce que l'idéal cache la réalité. Il y a là une soif de liberté qui occupe l'esprit à s'enquérir d'une voie au-delà de la pression des modes de vie établis. C'est dans ces moments que l'on remet en question tout l'engagement que l'on a, a entrepris pour atteindre la vie que l'on promet que l'on se promet d'avoir. Mm. Mais sortir de ces cadres, sortir de ces formats, à quel âge faut commencer à le faire <laughs> <laughs> je crois qu'il n'y a pas d'âge mais en même temps euh, tu peux pas demander à un enfant de comprendre tout ça voilà tu comprends parce que lui il a besoin d'apprendre euh, c'est quoi la souffrance aussi il a besoin d'apprendre euh, qu'il est tout ça tu vois et que quand il réagit comme ça ben, il va souffrir aussi tu vois et donc ce qu'il faut faire peut-être c'est que soit ça commence par soi et quand, quand on est comme ça on a une influence soit sur l'enfant, soit sur le vieux, soit sur le jeune. Et donc, il n'y a personne qui, a, qui peut dire comment les choses devraient être. Il y a seulement celui qui vit les choses, qui sait comment les choses sont, mais pas ce qu'elles devraient être. Les choses sont. Elles ne devraient pas être, ou bien auraient dû être. Mais le problème avec nous, c'est que nous vivons sur des références. Que nous avons établi con conclusion et nous disons ça, c'est ce qu'on doit faire. Tu vois Et quand on est comme ça, ben on cache une multitude de choses que l'on est soi-même et qu'on ne veut pas voir parce que ça nous dérange. Ça dérange le petit confort qu'on s'est établi. Et c'est ça notre problème c'est qu'on ne veut pas sortir de cette zone de confort parce qu'il y a une vérité qui dérange. Qui dérange terriblement le confort qu'on a établi depuis des milliers d'années, depuis tous nos formatages. Nous avons compris que la pensée qui va nous sécuriser, elle est importante. Et cette pensée est devenue très importante, cette pensée mensongère qui vient du passé. On se la ressasse et ressasse, et elle est un gros mensonge. Alors, il y a cette. vais euh, ce, dire ce parallèle à faire. Finalement, la souffrance, elle naît de la frustration et d'une frustration que nous on met en place. Exactement. Et c'est là la question comment éviter d'être dans la frustration Voilà. Et ça, c'est une équation à vraiment à de multiples inconnus. Oui, oui. parce que entre la société, les règles de la société, les lois. Les modes de vie. Alors déjà, il faut bien se dire que ce qui nous fait faire des choses qu'on ne veut pas faire, mais qu'on fait quand même, ce sont nos peurs. Donc déjà, visiter ce que nous, nous sommes. Nous sommes un paquet de peurs qui, dans cette peur, elle est la réaction de ne pas être conforme à ce qu'on nous demande d'être. Tu vois donc on a peur de ne pas être aux normes de la société parce que la société va nous rejeter on n'aura plus le patron bienveillant on n'aura plus l'argent à la fin du mois donc on est, on, sera on sera éjecté hein, comme celui et tu sais notre société elle est faite comme ça parce que tout est fait par comparaison on te dit euh, il il, on, on, on crée un système chaotique où il y a une rivalité entre deux camps tu sais, il y a le vacciné et le non-vacciné aujourd'hui, puisqu'on en parle. Pas sanitaire, non pas sanitaire. Voilà. Et, et donc, dans ce cas, les deux camps, tu vois, se s'injurient, se, 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 se rivalisent. Et en fait, la vie, c'est quoi La vie, c'est l'harmonie, c'est la joie. Donc, les deux camps sont dans, le, dans, dans, dans la déchéance et dans la souffrance. Les deux souffrent. Et Moi, je dis, pour ne pas souffrir, il faut se rencontrer et s'aimer. Comment vivre ensemble quand on est si différent, qu'on a autant de, de j'allais dire, des visions intellectuelles et mentales ou psychologiques totalement, euh, parfois à l'extrême mmh. Comment faire en sorte pour que chacun vit sa liberté, mais tout en respectant la liberté de l'autre parce que ça aussi, c'est un obstacle mmh. qu'il faut franchir. La liberté de, de, de l'individu s'arrête là où commence celle de l'autre individu. Ouais. Mais ça, c'est une liberté euh, conflictuelle, déjà. Parce que si tu dois attendre que l'autre puisse être heureux, pour que toi, tu sois heureux, tu vois, il y a euh, une dégénérescence dans la relation, déjà. Donc cette liberté, elle ne peut pas exister. La vraie liberté, c'est de ne rien vouloir de qui que ce soit. De ne rien attendre que l'autre puisse te donner un plaisir, une joie. Et que quand tu arrêtes de chercher tout ça, les désirs que tu as, les envies que tu as, ils cessent. Alors, tu as la paix parce que tu ne crées rien qui va faire souffrir le monde. Alors, la question, ce sera dans la prochaine euh, émission, c'est quelle est la notion de. Qu'est-ce que c'est la liberté aujourd'hui oui. La liberté a-t-elle la même définition, les mêmes euh, concrétisations mmh. Et je pense que ça, ça va être un sujet qu'on qu va nécessiter va plusieurs euh, <laughs> échanges, parce que la. Là, le terme de liberté, je pense qu'avec le temps et surtout avec ce contexte sanitaire, mmh. a beaucoup évolué. C'est ça. Ouais, ouais. On peut déjà dire que la liberté, en fait, elle n'est pas euh, quelque chose qu'on peut désirer. Alors, je m'arrête là-dessus parce que je crois <laughs> que déjà là, c'est important. Merci, voilà. Guy Roger. On <laughs> se voit la semaine prochaine et on va essayer de voir dans le, depuis l'évolution et dans le contexte actuel surtout. Qu'est-ce que c'est vraiment la liberté Et comment nous devons ressentir cette liberté voilà. Et je crois que ça, c'est important. Mmh. Merci, Guy Roger. On marque une pause, on se revoit juste, juste après.